passe la parole à Pascal Nico. Je préfère vous prévenir, il vous reste très peu de temps de parole. Je voudrais pas. Ce sera très rapide. Voilà. Il reste 4 minutes, grand maximum. Ce sera suffisant. Merci, Madame la Présidente. D'abord, un mot pour m'excuser de mon retard, mais nous avons été confrontés à ce que la SNCF appelle publiquement un accident de personne qui a fait que nous avons dû transiter par Rennes pour venir jusqu'à Nantes et nous sommes arrivés à midi. Bon. Un mot donc rapide pour faire le lien finalement entre cette crise des Gilets jaunes et notre budget régional. La désormais célèbre Jacqueline Mourot s'est criée il y a quelques semaines « Mais qu'est-ce que vous faites du pognon ?» mettant en exergue une question extrêmement importante qui est celle de l'efficacité de l'impôt. Le schéma directeur numérique qui est proposé dans la commission 1 est un exemple extrêmement important parce qu'il démontre que la réponse à la question de Jacqueline Mourot, c'est on gaspille. On gaspille quand on a une solution informatique, un système d'information qui est inopérant, qui nous coûte pour le coup un pognon de dingue, parce qu'on n'a pas eu le courage, la volonté de le réarchitecturer, de le redéfinir de manière à se sortir de la coupe d'un certain nombre de fournisseurs qui nous font payer très cher notre immobilisme. Je siège en CAO et nous voyons passer très régulièrement des marchés de prestations qui sont confiés de manière exclusive à des sociétés qui ont une emprise sur notre collectivité, puisque nous sommes obligés de passer par elle pour assurer ces prestations d'évolution ou de maintien en condition opérationnelle. C'est tout à fait inacceptable. Il y a des solutions technologiques aujourd'hui sur le marché qui permettent d'avoir un système d'information beaucoup plus opérant et beaucoup moins coûteux. Il y a des solutions pour faire des économies sans possible. Faites-le. Je suis à votre disposition. Je l'ai déjà exprimé maintes fois en CAO et aux gens de l'informatique pour vous aider dans ce domaine. C'est un de mes domaines de compétences. Merci.